Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis Vincent Bouchot, compositeur d'opéra. L'objet sonore que vous allez entendre n'aura aucun sens pour vous si vous n'avez pas écouté le précédent, mais sachez qu'il a obtenu le soutien de la Cité de la Voix et de la Familia. Il sera interprété par le trio Musica Humana, Mélanie Flao, Nathalie Duong, Jeanne Desoubeaux et Justine Lebas. Alors, il plut au ciel qu'il plut 40 jours et 40 nuits, et les eaux furent grosses pendant 150 jours, et allèrent en s'amenuisant pendant encore 10 longs mois. Deuxième acte, la scène représente l'arche de Noé, un an plus tard. Aujourd'hui, enfin, les eaux du déluge universel se sont retirées. Après la pluie, vient le beau temps. Sors de l'arche, Noé, avec ta femme, tes trois fils et les femmes de tes trois fils. Et tous les animaux que tu as recueillis dans l'arche. Allons, allons, coulons, coulons. Allons, allons, coulons, coulons, coulons. Allons, allons, coulons, coulons. Allons, allons, coulons, coulons, volons, sautons. Volons, sautons. Pardonnez-moi, Seigneur, malgré toute ma bonne volonté, il me fut impossible de décider les animaux sauvages à se réfugier dans mon arche. Mordius, je vais être obligé de tout recréer. Tu n'as pu sauver un seul animal ? Rassurez-vous, Seigneur, l'arche remplie d'animaux que nous avons pu capturer pendant notre voyage. Il y en a de toutes les espèces, empilées du sol au plafond. Mais sapristi, qu'attendez-vous pour les faire sortir ? Hélas, Seigneur, ils sont tous morts pendant la traversée. Morts ? Mais quels étaient donc ces animaux que tu as sauvés du déluge universel ? Les poissons. Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Rideau.